là-dessus. 4. Mathieu, bon, comment ça, Mathieu, tu parles? Verset 3, verset, chapitre 3, à partir du verset 13. Verset 13. Ah, c'est celui-là. Lis jusqu'au verset 17. Okay. Alors Jésus vint à la Galilée jusqu'au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé, pas toi, et c'est toi qui viens vers moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissons ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résistait plus. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau, alors le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Amen. 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 Merci, Amen. Alors, ce que tu as vécu, Jésus l'a vécu dans le Jourdain. On n'a pas de journée ici, on n'a pas de... Où il y a la scène un peu plus là, mais elle va aussi chaude. Je préfère celle-là. Quoi? Je préfère celle-ci, même avec l'eau qui remue là. Ça fait du bien. On va une heure là, celle-là, et après on revient se relaxer. Dans cette... très bonne idée. Alors, Jésus, lui, il n'avait pas de jacuzzi, il n'avait pas de piscine, il n'avait pas de spa, mais il y avait le fleuve du Jourdain. Amen. Aux Antilles, on a la mer, voilà. Moi, je sais pas si moi, c'est pas la mer, il y a d'autres, c'est dans les rivières. Mais le plus important, c'est l'élément le plus important, c'est l'eau. Amen. Parce que s'il fallait vraiment démontrer. Le baptême, il fallait qu'on ce soit de l'eau, que ce soit de la terre. Hein? Il fallait qu'on soit enterré et qu'on se nous désenterre. Alors c'est plus facile. Hein? On peut traverser l'eau plus facilement. Amen. Alors parce que le symbole, c'est vraiment un enterrement. Hein? C'est comme si aujourd'hui c'est le jour de ton enterrement, mais en même temps c'est le jour de ta résurrection. Amen. 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 Tu as compris? Un peu. C'est-à-dire que pourquoi on utilise l'eau? Oui. Parce qu'en même temps, ça symbolise comme si on t'enterrait et après tu ressuscites. S'il fallait t'enterrer, enterrer, ça veut dire c'est de la terre. C'est te mettre en terre. Sauf que l'eau, c'est dans l'eau. Voilà, là, dans le feu, dans l'eau. Comme le mot n'existe pas en l'eau. En l'orée, on ne peut pas dire en l'orée. Voilà, ça veut dire ensevelir. Voilà. Alors, on sort le lit, et puis là, tu ressuscites. Qui veut dire que maintenant, c'est comme une plante. C'est comme une plante qui meurt. Hein, qui meurt. Tu jettes une graine. La graine, avant de donner une fleur, de pousser, elle meurt, la graine. Elle sèche, elle meurt. Et après, cette graine devient une plante. Hein? Devient un plant, après ça devient une plante, après ça peut devenir un arbuste, après ça peut devenir un arbre. Amen. Alors c'est comme ça, c'est ce que tu as vécu là. C'est comme si c'est une graine qu'on a jetée en terre, et puis là,
elle commence à germer. Mais elle ne devient pas un arbre le jour même. Hein. Il y a des arbres qui grandissent plus vite que d'autres. Ça veut dire que chaque personne a sa croissance. Alors, toi, peut-être, tu vas grandir plus vite que d'autres. Hein. Je vois bien qu'il y a des gens qui ont le même âge, mais on est des tailles différentes. Hein. C'est pas parce que elle, ma femme est de taille plus petite que moi que je suis né avant elle. Hein. Je l'ai dépassé entre temps. Voilà, ah, ça veut dire que chacun, nous avons notre croissance, chaque personne grandit et, ben, en fonction des éléments, en fonction de sa personnalité, en fonction, voilà. Puisqu'on peut être physiquement très grand et puis être bête, hein. Et on peut dire, mais très 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 intelligent. Alors ça dépend pas de la taille, d'accord? Voilà, alors, tout cela pour dire que peut-être tu spirituellement, tu ne vas pas te sentir au niveau de Chantal, mais parce que chaque personne a sa croissance, parce qu'elle, ça fait un moment qu'elle marche avec le Seigneur. Mais ça peut arriver que toi qui es quelques jours, eh bien, il y a des choses que le Seigneur te montre qu'il n'a jamais montré à celui, à celui qui a des années. Et les gens sont étonnés, ils disent, mais comment ça? Hein? Ils pourraient même attribuer cela à l'ennemi pour dire, mais non, comme s'il y a, un protocole. Il y a un protocole pour grandir avec Dieu. Il n'y a pas de protocole. Donc cet esprit, c'est lui qui fait grandir. Amen. Amen. Nous semons, nous arrosons, et puis ils croient. Amen. Moi, quand j'arrose mes tomates, eh ben, il y a des tomates de Buffon Grosser. Ils n'attendent pas pour dire, ben, non, moi je suis sorti le premier, c'est moi qui ai eu le bourgeon le premier, c'est moi qui dois être le plus grand, c'est moi qui dois être. Non. C'est pas nous qui décidons d'être le plus grand. Et ça, c'est humain. Les apôtres, ils savaient que Jésus allait partir. Ils se disaient, mais lequel qui sera le plus grand parmi nous? Alors, la maman de celui-ci dit, il amène Jean et Jacques, il dit, il veut que ce soit ses fils qui soient là. C'est Dieu qui choisit, c'est Dieu, le Saint-Esprit qui fait quoi? Alors, ta croissance se fera à ton rythme. Amen. S'il y a quelque chose à retenir, ta croissance se fera à ton rythme. Il ne faut pas te décourager si tu sens que des moments que tu n'avances pas, tu n'arrives pas à prier comme tu veux, tu n'arrives pas à prier comme elle. Non, chaque personne va à son rythme. Et puis tu verras quand ça va venir. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu soit. Faut pas baisser le général. Alléluia. Non, yes. Le général, faut vous aussi. Fais monter le micro, le troisième. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà. Que Dieu soit béni. D'accord? Il faut retenir cela. Tu vas grandir à ton rythme. Amen. Mais par contre, il y a un truc que tous on passera. Nous avons un ennemi commun. Quand Jésus est sorti dans le doux baptême, il a été prié dans le désert. Et on pourrait dire, mais il a été prié dans le désert, et bien il sera entouré des anges de Dieu, il sera entouré de la présence de Dieu. Mais l'ennemi a trouvé un moyen pour savoir où il était. Ça veut dire qu'on aura toujours des ennemis. On aura toujours des obstacles dans la vie. L'obstacle, c'est un ennemi. Donc, on aura toujours des circonstances pour nous décourager. Mais il faut tenir bon. Amen. Il faut savoir parler à notre ennemi. Déjà, il faut savoir l'identifier. Il faut l'identifier si c'est... Si c'est un démon, alors si c'est un démon, il faut le chasser. Il dit, je te chasse au nom de Jésus. Ça peut être un être humain qui veut te décourager. À ce moment-là, tu vas le dire, l'être humain, je te chasse au nom de Jésus. Non, c'est un être humain. Ça veut dire que c'est une autre stratégie. Lorsque Pierre, un jour Pierre, Jésus disait qu'il faut qu'il aille à la croix, il va mourir. Et Pierre lui dit, non, que Dieu ne va pas permettre cela.
Et Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Il dit pas, il n'a pas chassé Satan. Il a dit, arrière de moi. Ça veut dire, passe derrière moi. Comme là, il s'adressait à un homme, c'est simplement pour lui dire que cette parole que tu as dite, cette parole ne va pas m'empêcher d'y aller plus loin. Je vais dépasser cette parole. Et des fois, tu peux trouver des gens pour te décourager dans ta marche, parce que Dieu t'a mis à cœur quelque chose, de faire quelque chose. Hein. Tu vas avoir à cœur à faire quelque chose, et des gens vont vouloir te décourager. Il faut savoir dire, arrière de moi. Ça veut dire que, quelle que soit la personne, il faut que tu avances. Parce que Pierre, c'est un disciple de Jésus. C'est le premier des apôtres. Il venait juste de dire à Jésus qu'il est le Christ. Et Jésus lui disait que cela lui a été révélé par le Père. Dieu vient de le visiter, le Saint-Esprit vient de le visiter. Et après, un moment après, il dit à Jésus, non, Dieu ne va pas permettre que tu ailles à la croix. Il fallait que Jésus aille à la croix. Ça veut dire qu'il faut savoir discerner. Lorsqu'on nous donne un conseil qui vient de Dieu et un conseil qui ne vient pas de Dieu. Quelle que soit la personne, il ne faut pas regarder cette personne si il est pasteur, cette personne si il a de l'expérience. Mais comme tu sais dans son cœur, qu'est-ce que Dieu t'a dit, il faut faire ce que Dieu te dit. Non pas ce que, même si c'est Chantal, mais elle te dit quelque chose de contraire à ce que Dieu a mis dans ton cœur. Tu fais ce que Dieu t'a mis dans ton cœur. Amen. Parce que Dieu va te demander des comptes à toi, pas à Chantal. Il y a une histoire, il y avait un vieux prophète et un jeune prophète. Le jeune prophète, Dieu lui a donné quelque chose à faire. Il est allé et Dieu lui a dit, quand tu as fini, tu entres. Tu ne restes pas dans la vie. Et le vieux prophète est venu. On lui a dit qu'il y a eu un jeune prophète. Il a dit d'aller le chercher, de venir manger chez moi. Il a dit, je suis prophète comme toi. Et à ce moment-là, il a désobéi à Dieu parce que Dieu lui avait dit d'entrer. Et lui, il est resté chez le vieux prophète. Et il est mort. Dieu n'a pas demandé des comptes au vieux prophète, mais à celui qui avait reçu la parole. Alors lorsque tu as reçu la parole, il faut obéir à celui qui t'a donné la parole. Et quelle que soit la personne qui vient de là sur ta route, ben, il ne faut pas écouter, il faut faire ce que Dieu t'a dit. Amen. Alléluia. Alors, je ne vais pas trop te fatiguer. Alléluia. Hein, parce qu'aujourd'hui, ce moment est pour toi. Alors, nous adaptons toutes les circonstances en fonction de toi. Amen. Alléluia. Lorsque tu vas pouvoir avoir un temps de plus grande écoute, un temps de plus d'attention, voilà. Comme ça, tu passeras plus de temps pour pouvoir écouter les enseignements. Amen. Amen. Mais que Dieu soit béni. À vous, Dieu soit le Seigneur. Nous allons remercier Dieu pour sa parole, son enseignement. Je te laisse. Remercier Dieu pour la parole. Est-ce que tu veux dire un mot aussi? Tu veux dire merci à Seigneur? Est-ce que tu veux prier, dire merci? Je suis rendormie, mais...
pas grave. Voilà, c'est pas grave. Et encore merci à m'avoir accueilli et que nous avons partagé un petit truc ensemble. Amen, amen, amen. Amen, amen. Tu vas prier, dire pour la parole et puis pour la nourriture, tu seras à prendre. Voilà, ben, je remercie le Seigneur. Dieu, c'est un Dieu qui aime surprendre, qui aime nous surprendre en fait. Et Catherine, elle avait tellement attendu ce moment du baptême, ça faisait plus d'un an, elle m'a laissé baptiser. Et il n'y avait pas moyen, c'est parce que Dieu a voulu autrement en fait. Et le jour que Dieu a voulu, c'était aujourd'hui et avec d'autres frères et sœurs. Et je bénis Dieu parce qu'il est souverain. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas faire encore, pour les personnes que tu vas mettre sur ma route, pour que je puisse faire ta volonté. Sois béni, fortifie-moi, aide-moi, papa, et aide aussi mes frères et sœurs. Bénis-les. Sois béni. Encourage les Seigneur dans leur marche avec toi. Et merci pour tout. Soyez bénis. Amen. 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 Alors. Nous allons faire une onction d'huile. On va faire une onction d'huile. Alléluia. Avec toi, quand Jésus est sorti de l'eau, l'Esprit, la colombe est descendue sur Jésus. Amen. Amen. L'Esprit, c'est comme ça. Allez-y. On mettra de l'huile et je représente l'Esprit de Dieu sur toi. Comme si c'est la colombe qui sera sur toi. Amen. Mais cette colombe-là, elle ne va pas venir repartir. Elle sera toujours avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Comment s'appelle le Saint-Esprit? Alors, alléluia. Voilà. Quoi? Le micro. Je prends ses lunettes, s'il te plaît, je vais là. Pose sur toi, tous les jours, que le Saint-Esprit t'accompagne, par sa présence, n'est-ce pas aussi, par sa puissance, que sa puissance se dégage de toi, que sa puissance se dégage de tes mains, je dis tes mains, ouvre tes mains, que tes mains soient bénies, que tout ce que tu touches, Sois béni. Que tout le lieu que foule la plante de ses pieds, Seigneur, lui appartient. Sois béni. Que ta grâce, Dieu, repose sur elle, que ses pieds, Seigneur, soient bénis, fortifiés, que la force revienne dans ses jambes. La guérison de toute maladie, au nom de Jésus. Ses nerfs, Seigneur, soient débloqués. Qu'elle soit guérie de la tête aux pieds, 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 de la t
feu consume en elle ce qui n'est pas de toi. Ton feu consume en elle ce qui n'est pas de toi. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Nous avons la suite. Nous n'avons pas. Tu as dit demander et vous recevez. Moi je demande pour elle, Seigneur. Qu'elle soit guérie, Seigneur. Qu'elle soit guérie. Oui, guérie-la, Seigneur. Guérie-la de sa maladie, Seigneur. Que sa maladie s'en aille définitivement, Seigneur. Car tu as dit demander. Alors je demande, Seigneur, pour elle, Seigneur. Que sa maladie, Seigneur. Toi qui écoutes tes enfants, toi qui aimes tes enfants, Seigneur, je me tiens vers toi, Seigneur. Bénis Annick, Seigneur. Souffle sur sa vie, souffle sur elle, Seigneur. Bénis-la, Seigneur. Guéris-la, Seigneur. Guéris-la, Seigneur. Toi je guéris, Seigneur. Alors, Seigneur, viens repartir. Avec ta guérison, Amen. Viens repartir avec la guérison, Seigneur. Amen. Seigneur, tu vivant, viens repartir avec ta guérison. Où est la malle, Seigneur? Guéris-la, Seigneur. Où est la malle, Seigneur? Que la maladie parte, Seigneur. Car c'est toi qui guéris. Tu as donné tout pouvoir, Seigneur. Tu as donné tout pouvoir, Seigneur. Tu m'as donné le pouvoir en ton nom de guérir les malades. Seigneur, en ton nom, je guéris les malades, Seigneur. Oh, que tout esprit de maladie soit visité. Visite-la. Visite-la, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu as guéri, Seigneur. La femme à la perte de sang depuis 12 ans. Amen. Elle est venue chercher sa guérison. Amen. Alors, Seigneur, Annick, elle est venue. Pas par hasard, Seigneur, car tu voulais la guérir. Alors, Seigneur, toi qui es souverain, fais, guéris, Seigneur, au nom de Jésus. Guéris-la, Seigneur, que toute maladie, que toute maladie soit guérie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Soyez bénis. Amen. Amen. Nous allons continuer. Elle est là, comme elle est là. Voilà, Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Reste l'esprit de Dieu faire. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Nous allons continuer notre.
notre journée. Nous allons faire les préparatifs et puis nous allons manger. Amen. La viande est déjà bien avancée. Hein? On peut arrêter là. Alors, pour ceux qui ne mangent pas de l'agneau, laissez-vous les autres.